quelle que soit la durée de la nuit, mais je me tiens pour que dure la nuit. Le soleil finit toujours par s'élever. La manière sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona seus filhos. Parce qu'il t'aime. Porque ele te ama. Il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes. Enxuga as tuas lágrimas. Et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Ah,
Mea Kozonga Mikoloyo, Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Toutes tes vanités, tes vanités sous la terre, dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Oleki, Kunduluna, Kwangana, Elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Aime mon frère. Sois fidèle à ta femme. La fidélité. Elengalibala. C'est dans la fidélité. Ah. Iziki Abana Nzambe. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera. Vino ma pasteur pour la rafaucher. Vina bino sa clairtin. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir de Dieu encore fauché? Il y a un problème. Agnès Lissiki, Lekiamotema. Ah, bon Zambé, Amolia, Elise Nangai, Naomi, Laure, Esther, Bana, Zambé Pambola. Pour la lobby prolongation. Et que ce qu'a beau être, prolongation petit. Mais si tu auras la prolongation, dis l'air de gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you Jah. Thank you God. Thank you, Lord. Gracias mucho el Señor para todos que tú haces en mi vida. Amen. Parfois, dans certains pasteurs, on ne voit pas l'amour. On a tant parlé de l'amour, ils prêchent l'amour. Mais quand on voit comment ils traitent leurs femmes, comment ils traitent leurs enfants, comment ils se comportent dans l'église, ou comment ils se traitent entre eux, entre pasteurs, on se rend compte que ces gens parfois qui nous parlent de l'amour sont loin de l'amour. Donc avant que Dieu voigne d'une huile qui déborde, il observe votre comportement, vos réactions, votre attitude face aux offenses. Vous voyez, des fois on pense que dans l'église, c'est là où on va trouver que l'amour, c'est faux. C'est là où le diable vient pour semer la pagaille. Ma vengeance empêche à Dieu de me venger. Si tu ne te venges pas, Dieu va te venger. Vaut mieux perdre un manteau, un bien matériel. Vaut mieux accepter une injustice et garder l'onction du Saint-Esprit que de perdre l'onction du Saint-Esprit et d'avoir une chemise ou d'avoir raison devant les hommes. J'aimerais répéter, toute injustice, toute méchanceté, toute perte matérielle que nous acceptons avec joie de subir à cause du nom de Jésus, cela est compté comme une semence, comme une offrande. Dans
Donc les offenses, les injustices ou même les vols que nous subissons à cause du Seigneur, ce sont des opportunités pour nous les enfants de Dieu de s'aimer dans la bourse du ciel, d'investir, d'être actionnaire avec la banque céleste pour récolter au centuple. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous déclarez la guerre contre le diable et le diable va se déchaîner contre vous. C'est normal. C'est comme un homme a dit, lorsque on vous lance des pierres, construisez avec ces pierres un château. Jésus savait que chaque homme a un rôle. Même les Judas ont une importance. Vous savez, il y a des ennemis qui sont dans votre vie et qui sont importants parce que s'ils ne sont pas là, vous risquez de perdre votre destinée. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager et vous fortifier au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, la parole de vie, la parole de Dieu. Vraiment, soyez tous les bienvenus, quel que soit le moment, l'heure à laquelle vous suivez ce programme. Il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Je crois que Dieu a un plan merveilleux pour tous ceux qui croient et espèrent en lui. Tous ceux qui lui ont confié leur vie. Tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Pour tous, je crois que Dieu un plan merveilleux. Et j'aimerais donc vous encourager à ouvrir votre cœur. Vous êtes peut-être accoutumé à suivre ce programme ou peut-être vous êtes en train de faire connaissance avec ce programme, vous êtes en train de le découvrir. Dieu a une promesse, Dieu a un plan pour votre vie et je le crois fermement. Que son nom soit béni. Et je veux bénir également Bishop Eli, mon époux, qui nous permet aussi d'avoir ensemble ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous arrivons bientôt, dans quelques jours précisément, au terme de l'année 2023. Alors certains ont pu faire un bilan sur cette année, sur l'année qui s'est écoulée par rapport à leurs objectifs de vie, leurs espérances, ce qu'ils ont peut-être traversé, ce qu'ils ont pu voir leurs proches aussi traverser. J'aimerais encourager chacun de nous à garder courage et à garder espoir pour demain. C'est vrai qu'aucun de nous ne sait ce que le lendemain peut enfanter, mais en tout cas, je crois, parce que je crois aussi à la parole de Dieu. Je crois à la Bible et je crois que Dieu a des promesses certaines qu'il accomplit dans la vie de tous ceux et celles qui lui font confiance. Donc prenons courage. Nous avons entendu de bonnes nouvelles, mais également bon nombre de mauvaises nouvelles. Nous avons vu des situations difficiles dans la vie des autres. Nous avons pu traverser nous-mêmes des situations parfois difficiles, des situations, des circonstances inattendues. Nous n'avons pas prévu de devoir faire face à certaines difficultés, mais pourtant, nous sommes encore là. C'est vrai que d'autres sont partis brutalement, brusquement. Mais je crois qu'il y a une promesse, voire des promesses de réconfort pour tous ceux qui acceptent encore d'ouvrir leur cœur à Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour.
Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est grand. J'aimerais nous encourager à garder courage dans la vallée de la crainte. Garde courage tandis que tu traverses la vallée de la crainte. Garde courage et garde confiance. Nous allons regarder le psaume 23. Je sais que vous êtes nombreux à connaître ce passage. Et si nous nous arrêtons au verset 4, parce que ce sont les paroles de David. David, celui qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a pu déclarer des paroles de foi, de confiance placées en son Dieu. Lorsqu'il a eu à faire face à des situations difficiles, parfois nous sommes confrontés à des peines, des douleurs, des tourments. La vallée de pleurs surgit devant nous. Nous n'avons pas d'autre choix que de la traverser. Et il ne convient pas de fuir les problèmes, les difficultés, mais il est bon d'y faire face. Mais pas seul. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne veut pas que nous pensions que nous sommes seuls. Il sait être l'appui sûr, l'abri sûr, le refuge, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, je l'ai expérimenté et je crois encore à cela, je crois à cette parole. Alors, que nous disait David? David disait dans le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lorsque nous arrivons au verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Tu peux te fortifier à croire que Dieu est avec toi. Si tu as confié ton cœur, si tu as confié toute ta vie, tu peux déclarer ces paroles. Moi, j'aime les déclarer. Même si je suis confrontée à la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai rien à craindre, Seigneur, parce que tu es avec moi. Alors, j'ai trouvé une petite histoire que je vais vous raconter et qui va nous encourager d'une manière ou d'une autre. Chacun pourra se retrouver. Alors, Alexandre McLaren, un grand prédicateur d'une génération passée, raconte comment il est parvenu à vaincre la peur. La peur est le mot à la mode. Parmi tous les mots, parmi toutes ces situations, ces négativités très tendances aujourd'hui, le mot peur, angoisse. Le mot peur, le mot angoisse. On les entend ou on y fait face tous les jours, dans le quotidien, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à devoir faire face à la peur. La peur parle de manière différente. On entend parler de cataclysme, on entend parler de catastrophe naturelle, imprévue, inattendue, des situations financières, des toutes sortes de tendances dans cette société, des morts subites, des départs soudains, des meurtres, des tromperies, toutes sortes d'abus ou de profitations à différents niveaux qui blessent, qui déçoivent, qui outragent, qui offensent, qui peinent, qui affligent des cœurs. David, avons-nous, a été confronté à des situations difficiles qui l'ont
permis de réaliser que sa foi, sa confiance placée en Dieu était nécessaire, était vitale, était tout ce qui lui restait. Parfois, tout ce qui va te rester sera d'avoir confiance en Dieu, d'avoir foi en Dieu. Donc, ce grand prédicateur nous raconte comment il est parvenu à vaincre la peur. Alors qu'il n'était qu'un tout jeune homme, il travaillait à Glasgow, à quelques kilomètres de son village. Il passait la semaine en ville et rentrait chez lui tous les samedis soirs. Sur le chemin du retour se trouvait un ravin, soi-disant rempli de mauvais esprits. Tout au long de la première semaine de travail, le jeune garçon ne cessa de se tourmenter à l'idée que lors de son long retour chez lui, il devrait traverser ce ravin. Cette anticipation assombrissait tous les moments conscients de cette semaine. Le samedi soir arriva et il n'avait d'autre alternative que de rassembler tout son courage et de se mettre en route. Son cœur battait rapidement alors qu'il atteignait le ravin. Il s'arrêta, paralysé par la peur. Ses pieds lui paraissaient de plomb. Puis, tout à coup, il entendit une voix qui l'appelait dans la nuit. « Alex, c'est moi, ton papa. Je suis venu pour traverser le ravin avec toi. » Au cours de sa vie ultérieure en tant que grand prédicateur en Écosse, McLaren n'oublia jamais le courage et la force qu'il ressentit cette nuit-là quand son père traversa avec lui ce ravin si terrifiant. Je pense qu'au travers de cette histoire, chacun peut se retrouver. Soit vous allez regarder, remonter dans le passé et vous rappeler de situations difficiles que vous avez réussi à vaincre. Vous allez vous rappeler de certaines victoires remportées, certaines batailles gagnées. Comment avez-vous réussi à faire face? Vous aviez la foi, n'est-ce pas, que vous alliez vous en sortir. Parfois, nous allons nous trouver dans des situations, face à des situations, et nous allons avoir l'impression d'être seuls, isolés, peut-être nous-mêmes, nous allons entrer dans un temps d'isolement. Nous allons nous séparer des autres. Nous allons nous dire que les autres peut-être ne pourront pas nous aider. Nous allons comme être submergés par des émotions négatives de honte, de désarroi, de découragement, d'abattement. Et nous ne nous sentons pas forcément disposés à discuter, à partager avec d'autres personnes notre peine, l'état dans lequel nous nous trouvons. Et c'est là que j'aimerais nous encourager. Parce que toutes les fois, nous devons faire face à la vallée de l'ombre de la mort, la traversée. Nous allons nous sentir dans la détresse. Il y a une personne qui sait intervenir, qui se tient toujours prête à intervenir pour nous tendre la main et nous sortir du ravin, nous sortir de cette impasse. Parfois, tu auras l'impression d'arriver comme dans un carrefour, ou bien une voie sans issue. Lorsque cette voie sans issue se présente, Jésus-Christ entre en scène et il est capable de frayer un chemin là où il n'y avait pas d'issue. J'aime beaucoup ce cantique qui se chante ainsi. Dieu trace un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il agit dans ces voies que nous ne pouvons voir. Il frayera un chemin. Pour moi, il sera un guide, me gardant
tout près de lui, avec amour chaque jour. Dieu tracera un chemin, oh, Dieu tracera un chemin. Dans les moments difficiles, il est là, oh. Quelle que soit la situation, il t'aidera, car il peut créer pour toi les choses qui n'existaient pas. Il est le Dieu de l'impossible. Oh, Dieu trace un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il agit, oui, dans ses voies que nous ne pouvons voir. Il créera un chemin pour toi, il sera un guide, te gardant tout près de lui, avec amour chaque jour. Dieu tracera un chemin, oh oui, Dieu tracera un chemin. J'aimerais t'encourager à voir, déjà par la foi, ce chemin, cette issue favorable que Dieu est capable de tracer devant toi. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est la parole de notre Dieu. Et vous savez, pour tous ceux qui se confient en lui, le Dieu d'éternité, tous ceux qui se confient en lui peuvent expérimenter de voir une issue favorable apparaître. Voilà. Lorsqu'ils gardent confiance. Et je crois qu'il y a un encouragement, voyez, par rapport à ce prédicateur qui a souffert d'angoisse, de peur face au ravin. Tu te trouves face à une difficulté que tu penses être insurmontable. La peur t'anime. L'angoisse vient dans ton cœur. Cette angoisse a déjà perturbé ta santé. Tu as déjà eu plusieurs consultations médicales. Les diagnostics sont toujours les mêmes. Rien n'a signalé. Rien n'a signalé. Rien. J'ai toujours compris que lorsque nous n'avons pas de remède auprès de la médecine, il ne reste que Dieu, justement. Comme je viens de le chanter, Dieu trace ce chemin là où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Tu ne sais vers qui te tourner, vers quoi te tourner. C'est là que Jésus-Christ veut se révéler dans ta vie. Il est appelé l'amour parfait. Il est appelé le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Entre Dieu, le Père, et nous les hommes, Jésus-Christ est le seul intermédiaire. Vous savez, David éprouvait la même chose à l'égard de Dieu. La vallée de l'ombre de la mort ne l'effrayait plus parce que le berger la traversait à ses côtés. Et c'est là mon encouragement. Vous savez, comme David a fait confiance à Dieu, tout comme Abraham, qui est appelé le père de la foi, a cru en l'Éternel, et que cela lui fut imputé à justice. Tout comme ces hommes ont cru, il nous est possible encore aujourd'hui de croire que Dieu est celui qui libère, que Dieu est celui qui guérit de l'intérieur, là où peut-être qu'aucun thérapeute n'a pu vous aider, n'a pu t'aider. Jésus-Christ peut intervenir si tu lui ouvres ton cœur, si tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Ou si tu l'avais déjà fait, tu es confronté à des situations difficiles. Regarde l'exemple de Job. Regarde l'exemple de Job. Il y a une promesse. Matthieu 28, chapitre 28, verset 20, Dieu nous dit,
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi Dieu romprait son engagement envers toi et moi? Nous ne sommes engagés envers Dieu parce que Dieu lui-même aussi s'est engagé à nous aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a accepté de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Dieu nous a aimés le premier. Dieu choisit le premier. Dieu nous a établis. Lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous avons accepté sa présence dans nos vies, nous avons donc pris un nouveau départ. Dieu s'est engagé envers nous et nous nous sommes engagés envers lui. Dieu s'est engagé à nous aimer, à cause de cet amour, Dieu s'engage à nous défendre, à nous supporter. Malgré nos erreurs, Dieu s'engage à être patient. Dieu s'engage à nous exaucer lorsque nous lui demandons d'intervenir dans nos vies. Dieu s'engage, Dieu s'est engagé et il s'engage encore et il s'engagera encore à le faire parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu s'est engagé et il s'engage dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu auras besoin, lorsque j'aurai besoin de réconfort, il s'engage à le faire, à apporter la consolation à notre âme, à notre cœur, par son esprit. Quelle joie de pouvoir compter sur lui. Quel bonheur d'avoir un tel ami comme Jésus-Christ. David connaissait le réconfort que le bon berger pouvait lui accorder. David connaissait que le berger pouvait procurer du réconfort à ses brebis. Vous voyez, je regardais une vidéo récemment d'un berger, hein, avec son troupeau de brebis. C'est formidable, c'est agréable, cela fait sourire de voir une telle complicité entre berger et ses brebis, et le chien qui n'est pas loin. Alors j'ai vu le chien n'attendait que son feu vert, que le feu vert du berger, donc du maître, pour courir, mais courir vraiment à sprint, avec un sprint même. Courir pour faire quoi? Rassembler les brebis et les faire rentrer dans l'enclos. Puisque oui, elles ont ce temps où elles s'éloignent, elles s'éparpillent pour pouvoir manger. Mais il y a un temps aussi pour retourner dans la bergerie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela. Dieu ne veut qu'aucune de ses brebis ne se perde. Et il fera tout pour garder. Il s'engage à nous protéger. Dieu, par son esprit, va s'engager à nous guider, à nous conseiller, à nous enseigner dans sa vérité, dans sa parole, afin que nous puissions avoir de la connaissance, non pas pour nous enorgueillir, mais pour approfondir notre relation avec lui, connaître nos droits, connaître nos responsabilités et y faire face avec son soutien, le berger. Est fidèle. Le berger est amour, le berger est bienveillant, le bon berger est tout puissant, tout suffisant, rien ne lui est impossible. Le mal et les méchants représentaient une menace constante pour David au cours de son existence, déjà lors de sa jeunesse comme berger lui-même et encore plus tard quand il devient le plus grand roi d'Israël. Pourtant, il a gardé confiance. Il s'est même trompé, oui. David a failli, nous allons commettre des erreurs, nous allons pécher, mais que veut Dieu? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a du pardon. Notre Dieu s'engage à nous pardonner.
Notre Dieu s'engage à nous relever lorsque nous allons tomber, broncher. Notre Dieu s'engage, mais toi et moi, quel est notre engagement? Quelles sont les clauses? Que contient l'engagement que nous aussi, nous devons vouer à notre Dieu? Cet engagement qui nous lie à Dieu. Quel est cet engagement? Nous avons l'engagement de l'aimer lui, hein, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et de nous aimer et d'aimer notre prochain. Nous avons ce premier engagement d'amour. Nous avons un engagement aussi d'obéissance. Lorsque nous gardons ces commandements, nous pouvons être sûrs, lorsque nous cherchons à plaire à Dieu, lorsque nous cherchons à lui être agréable, en gardant la foi, en veillant sur notre cœur, en marchant dans la pureté, dans la sainteté, nous pouvons être sûrs qu'il interviendra dans nos vies. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc il nous faut garder l'amour, il nous faut garder la foi. Il nous faut parler avec Dieu, entretenir une relation avec une personne, nous apprenons à découvrir cette personne en passant du temps avec elle. Il me faut passer du temps dans la prière, même publier des jeûnes et dans la méditation de sa parole. Il ne suffit pas simplement de lire la Bible, mais il faut aussi s'interroger, poser des questions à Dieu. Comment puis-je mettre en pratique ces paroles? Comment puis-je adapter ces paroles à ce que je vis, dans mon quotidien? Parce que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Santé, finances, pour ceux qui sont scolarisés, donc vos études, ceux qui travaillent, votre travail, ceux qui recherchent un emploi, justement, pendant ce temps de chômage, Dieu s'intéresse à toi, à ce que, justement, que tu ne sombre pas dans l'abattement. Il peut avoir un temps d'abattement, mais Dieu voudra que tu te relèves. Cette fois, le juste tombe, Dieu le relève toujours. Quelles sont les vallées qui te tourmentent, qui te remplissent des fois d'angoisse? Quelle vallée te hante par la crainte de la mort ou quelque angoisse mortelle? Vous savez, il y a la mort autour de nous. Nous en voyons des départs soudains, brusques, inattendus. Lorsque d'autres partent, la question à se poser, est-elle partie avec Jésus dans son cœur, dans sa vie? Car c'est là le message. Lorsque notre cher part, tout est déjà joué pour cette personne, puisqu'elle n'est plus, elle ne sera plus sous cette terre. Mais pendant que nous sommes encore sous cette terre, Dieu veut que tu le choisisses. Dieu veut que tu le laisses entrer dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il soit au contrôle de ta vie, qu'il tienne les rênes. Parfois, nous tenons les rênes et nous ne voulons pas lâcher les rênes de nos vies, alors que nous nous sommes déjà trompés à maintes reprises. Parfois, nous sommes dans le succès et nous pensons, bon nombre pense que parce qu'ils réussissent, alors qu'ils sentent que Dieu peut être au travers de leurs proches, leur reproche des choses, ils se disent, mais je réussis, donc ce que tu me dis, les conseils que tu me donnes, je vais en faire fi, je n'en ferai aucun cas, parce que quelque part, je suis confortée dans d'autres aspects, dans d'autres situations, je vois que j'ai raison. Cela ne veut rien dire, bien-aimés. Cela ne veut rien dire, mes chers amis et bien-aimés dans le Seigneur qui suivez ce programme. Tu peux réussir sur certains aspects, mais tu peux être désagréable à Dieu sur d'autres aspects. Mieux vaut chercher l'approbation de Dieu, être agréable à Dieu, avec la foi et l'obéissance à ce qu'il dit. Parfois, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Il nous faut nous humilier davantage. Celui que Dieu va sécuriser
est celui qui aura un cœur simple, un cœur d'enfant. La Bible dit de prendre modèle sur un petit enfant. Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants, car mon royaume est pour ceux qui les ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui conservent une humilité, une simplicité équivalente à celle du cœur d'un enfant. Le Seigneur ne tourne pas nos craintes en dérision. Non, tu ne dois pas te dire cela. Il te comprend parce qu'il te connaît. Il me connaît. Il est celui qui t'a formé. Il est celui qui m'a formé. Il sait pourquoi il a choisi cette femme qui est ta mère, cet homme qui est ton père pour que tu arrives à l'existence. Il sait toutes choses d'avance. Il est Dieu. Comme le père de ce prédicateur McLaren, il vient à notre rencontre pour nous raccompagner à la maison. Il sait ce qui se trouve dans le ravin ou dans cette sombre vallée dans laquelle tu te trouves. Et il veut que tu saches que si tu places ta main dans la sienne, tu pourras traverser ce ravin, tu pourras traverser cette vallée en toute sécurité, dans la tranquillité, dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Et comme je le disais dans Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous sécurise par cet engagement de fidélité, de bienveillance envers nous. Pourtant, nous agissons parfois comme s'il est absent. Nous agissons parfois en comptant sur nous-mêmes et non sur lui, alors qu'il est là, alors que son esprit est là. Dieu veut traverser cette vallée avec toi. Le psaume 91 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut traverser ce ravin et cette vallée avec toi. Que tu lui parles, que tu te remettes à lui, que tu te confies en lui. Il est écrit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le mot à la mode aussi, fatigue. Tout le monde est fatigué, d'une manière ou d'une autre. Fatigué parce que, à cause de la pluralité des activités, des efforts fournis. Fatigué à force de trop réfléchir, à force de trop s'inquiéter. Fatigué à cause peut-être des symptômes d'une maladie. Fatigué à cause de cette oppression qui règne sur ce monde avec des mauvaises nouvelles. Parfois même les paroles qui sortent de notre bouche produisent en nous des angoisses, les paroles négatives. Ces paroles d'hésitation produisent en nous de l'angoisse. Celui qui parle peu, pêche peu, dit Dieu. Veillons sur ce qui sort également de notre bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi et moi, nous devons veiller parce qu'il y a une puissance dans les paroles que nous déclarons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fais-en bon usage, parce que ce petit instrument qu'est la langue peut détruire une vie. Et vous savez, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Si tu sèmes de la bonté, tu récolteras de la bonté. Si tu sèmes de la miséricorde, il te sera fait miséricorde. Si tu sèmes de la compassion, tu récolteras de la compassion. Mais si tu sèmes de la méchanceté, tu récolteras de la méchanceté. Si tu es ingrat alors qu'on t'a fait du bien, tu récolteras un jour de la gratitude de la part de ceux qui t'entourent.
Si tu as été mauvais envers une personne, on sera mauvais également envers toi. Faisons attention en ces temps que nous vivons. Faisons attention aux choix que nous faisons. Faisons attention aux décisions que nous prenons. Il y a des décisions parfois que nous prenons de manière hâtive, sans réfléchir. Et nous allons finir par même regretter ces décisions que nous avons prises. Quelle que soit la vallée, Dieu est fidèle, il est bon, il est juste, il est grand, et il est surtout capable de te soutenir et d'intervenir dans la situation que tu traverses si tu te confies en lui et si tu lui confies cette situation, voire ces situations difficiles. Il est appelé le rocher des délivrances. Il est appelé le guérisseur, le libérateur, le bon berger, le consolateur, le fidèle allié. Nous pouvons lui donner toutes sortes d'appellations. Il est Dieu et il le restera pour la durée des temps. Alors reprends courage en cette fin d'année. Reprends courage. Tu as été déçu des choses que tu as vues et entendues, si douloureuses, qui ne te concernent pas directement, mais comme la compassion t'anime. Tu penses aux concernés, à des familles endeuillées. Dieu est El Shalom, le prince de la paix. Et il est capable d'apporter cette paix dont les cœurs ont besoin en cette fin d'année. Je crois à la miséricorde de Dieu, je crois à la grâce de Dieu, je crois à la justice de Dieu, je crois à l'amour parfait de Dieu. Alors gardons courage en cette fin d'année. Ouvrons nos cœurs au bon berger qui est capable de nous sortir de la vallée de l'ombre de la mort lorsque nous la traversons. Quelques versets avant de nous séparer. Quelques versets, donc quelques paroles bibliques pour vous encourager à tenir bon. Deutéronome, chapitre 12, verset 32 dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu attend de toi. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Vous savez, acte 20, verset 20, 21 et 27, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Oh, nous avons un Dieu qui sait enseigner et instruire. Retiens ce que tu as reçu de lui fermement, c'est ce que Dieu attend aussi de chacun de nous. Tout ce que nous avons reçu de lui dans notre cœur, que nous puissions le conserver. Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, 2. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Je crois qu'il est bon que tu croies au progrès. Certaines personnes n'ont plus d'espoir de progresser dans leur vie. Elles sont arrivées à un niveau, elles y restent là. Moi, je crois que Dieu veut que tu progresses encore, quel que soit l'âge que tu as atteint aujourd'hui, quel que soit ton âge aujourd'hui. Dieu veut que tu progresses sur tous les plans, dans ta manière de voir les choses, dans ta mentalité, ton caractère, sur un plan plus matériel, dans les choses que tu as entreprises. Dieu veut que tu vives le succès. Quand bien même tu serais confronté à l'échec, Dieu souhaiterait que tu rebondisses afin de réussir par la suite. Il est ce Dieu-là, moi je l'ai expérimenté. On peut faire face à de l'échec, mais il est possible de rebondir en se posant les bonnes questions, en priant Dieu, en lui demandant son soutien. Il sera capable de nous influencer dans une direction bien précise. Parfois Dieu va susciter des personnes
qu'il va utiliser pour nous conseiller, des conseils que nous attendions depuis si longtemps, pour nous permettre de faire de bons choix et prendre de bonnes décisions et nous sentir en paix et dans l'épanouissement parce que nous sentons que nous sommes là où nous devons être et que nous faisons ces choses que nous sommes voués, appelés à faire. On se sent bien, on se sent en phase avec soi-même et avec Dieu. Béni soit l'Éternel. En cette fin d'année, donc, garde courage. Tu peux traverser cette vallée de la crainte, des pleurs, du doute, avec Jésus-Christ pour appui. C'était mon encouragement pour vous. Soyez fortifiés, soyez relevés, renouvelés, apaisés dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire de la croix dans vos vies, que vous expérimentiez des choses nouvelles avec Dieu, des choses positives, des choses meilleures avec Dieu. Prenez courage, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Jusqu'en Australie, à Gold Coast, le Saint-Esprit agit. Croyez-moi, mes amis, l'onction est pour vous. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le Consolateur ne serait pas envoyé. Cette onction-là, c'est pour vous. Jésus-Christ vous aime. Ne soyez pas découragés. S'il vous plaît, ne consultez plus le marabout. N'allez plus chez tous ces escrocs prétendus pasteurs qui vous font payer les prières. Ce sont des voleurs. Venez à Jésus, un véritable homme de Dieu, qui pour vous gratuitement. Et de voix de fure guérie. Priez Dieu en lui disant, demande à l'Éternel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons.
je vous donnerai du repos. Voilà un esprit de mort, un chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Quelle que soit la durée de la nuit, mais je me tiens pour que dure la nuit. Le soleil finit toujours par s'élever. Amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona seus filhos. Parce qu'il t'aime. Porque ele te ama. Il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. T'en sortiras. Et seras vencedor. Essuie tes larmes. Enxuga as tuas lágrimas. Et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. La vie.